Sophie et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien. Sophie, Oui. je te laisse la parole. Vas-y. D'accord. Donc, je vous ai contacté par rapport à une vie assez complexe. Je vais commencer juste par le départ. Mes parents ont resté du Ouija avec ma grande sœur dans le ventre et elle serait morte après ça parce que l'âme entrée dans le Ouija aurait dit « je prendrai une âme ». Ensuite, mon père faisait soi-disant partie de ou de secte ou de plan de ce style, et ma mère disait que mon père, la petite n'était pas morte, elle l'avait donnée. Donc ensuite, elle m'a appelée Sophie comme elle, pour être sûre que je reste en vie et près d'elle. Et en fait, moi, ma vie, elle a été Donc rythmée ta de sœur problèmes de... aînée, elle s'appelait Sophie aussi? Elle s'appelait Karine, mais ma maman s'appelait Sophie, Ta maman et s'appelait quand elle Sophie. m'a appelée, voilà, elle ne savait plus comment m'appeler. Du coup, elle m'a appelée Sophie. Et ensuite, dès 3 ans, j'ai eu des problèmes de santé très forts, streptocoque, ensuite 7 ans, rhumatisme articulaire, 16 ans, fracture involontaire. Puis ensuite, je me suis retrouvée handicapée avec une maladie dite autoimmune. Et ça suit en fait un cours, on peut dire, un peu plus ésotérique, puisque à l'âge de 10 ans, mon père, pour moi, est entré en sorte de transe et a frappé ma mère très fort. Et moi, quand j'ai voulu sortir, il y a quelque chose qui m'a empêchée. Et pour moi, à 10 ans, je ne savais pas, mais pour moi, c'était sûr, c'était quelque chose. Ensuite, quand il a eu notre garde, juste le premier week-end, j'ai eu ma première prémonition. Et j'ai vu mon père qui allait me prendre, me faire tourner et tout, comme une princesse. Et en fait, il était amoureux de moi ce jour-là. Et je sentais que ce n'était pas lui. Donc, il y a eu incest, juste attouchement, mais ça a créé encore quelque chose Alors d'assez attends, fort. attends une seconde. Ça n'était pas lui? Ça veut dire que c'était une sorte de vision de lui? Moi, c'était lui, mais je sentais qu'il n'était pas lui-même. D'accord, donc Je il a eu des reconnaissais ça. gestes plus qu'inappropriés à ton égard et tu sentais que ce n'était pas, il était possédé par autre chose que celui que tu Oui, connaissais. voilà, petit après, mais juste avant ça, j'ai eu vraiment toute une scène qui est apparue. Avant la fracture involontaire, je travaillais, j'ai vu mon grand-père qui était devant mon travail, et en fait, en réalité, il n'était pas là, puisque quand je suis rentrée le soir, ma mère m'a annoncé que ça avait plus de 48 heures qu'il était décédé. De là, je pense que ça, en 10 jours, j'ai eu ma main qui a fracturé tout seul. J'ai tendu le bras, ça s'est fracturé, et ensuite, les problèmes de santé ont découlé encore plus. C'était vraiment des douleurs partout dans le corps. La nuque, c'était impossible. J'ai dormi 7 ans avec une couette pour que le matin, je puisse essayer d'avoir moins mal. Sans qu'il n'y ait de cause physique. Exactement. Donc, ça a été traduit, dit comme une fibromyalgie. Et donc, ça m'a fait travailler sur l'émotionnel, sur les choses autres, en fait. Ça m'a fait rentrer aussi dans le domaine médical. Donc, ils m'ont plombé de médicaments extrêmement longtemps. Et en fait, avant ça aussi, vers les 15 ans, ma mère s'était séparée donc de mon père et a rencontré un beau-père. Lui faisait partie d'autres choses encore. Car, alors, chez lui, il y avait beaucoup de manifestations bizarres, des bruits, quelque chose qui descend. Moi, j'ai été reclue dans un espace parce que je n'entrais pas dans son style de vie, enfin dans ce qu'il imposait. Et du coup, je voyais beaucoup de choses et il avait une femme avec qui il travaillait. C'était une sorte de médium, de voyante. Donc, mais lui, c'était dans un autre domaine un peu mafieux. C'était de côté de notaire, agent immobilier, procureur, tout ça. Donc lui, il arrivait à sortir de situations très graves et en même temps à utiliser les énergies. Moi, j'y connaissais rien. Tout ce que je voyais, c'était des entités, des choses complètement hors normes, des choses comme ça. Et des amis qui, en fait, j'attirais toujours des amis un peu qui avaient ces styles de vie, des peurs pas possibles. Une seconde, En ça. quand tu parlais de la fibro, tu utilisais le passé pour en parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau santé, tu es comme stabilisé? Oui, quand même, quand même. J'ai énormément. Ben, je marche. Avant, j'avais 3 jours peut-être par semaine où je marchais. J'ai beaucoup fait de travail mental dans l'affirmation, l'auto-hypnose, tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour la pensée positive, l'alimentation. Mais il y a des moments, ça revient. Ça va être 2, 3 jours et c'est plombant. Et c'est aussi. Mais il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de sens réel. Et ça m'est arrivé en ayant regardé votre vidéo, et là, le lendemain, mais j'aurais jamais même eu la pensée que ça puisse être possible. Je suis plus dans ça. J'ai décidé que ça n'existe plus. Donc, je fais tout pour, et ça fait avant la naissance de ma fille que je suis dans cet état d'esprit. Mais
j'ai fait une formation et un jeune homme a enlevé quelque chose en moi par, pas de l'hypnose, mais il a reçu un don et il me l'a enlevé. Donc, ça m'a permis de dépasser aussi les choses. Alors, je reviens vers les 15 ans, quand mon beau-père faisait ses trucs et ma mère a eu une, elle avait une sorte de tumeur. D'un coup, il avait dit de toute manière, il est très mal. Un jour, il nous avait bloqués dans la maison. Donc, lui, il avait attaché des câbles à la porte. Il essayait d'arracher la porte d'un côté et de l'autre. On a voulu sortir, mais quelque chose fermait, bloquait cette porte. Il n'y avait personne. Et vraiment personne, sauf une force. Et c'est vrai que moi, dans ça, j'ai essayé, j'ai trouvé des magazines de rituels de protection, des choses comme ça. Et là, j'ai vu qu'en fait, j'avais attiré plus un essaim d'abeilles, enfin, des entités, des choses comme Ok, ça, mais donc pas. je prends en compte le fait que ton père s'adonnait à certaines pratiques énergétiques sans que forcément tu saisisses l'essence du travail qu'il réalisait. D'accord? Quoi Exactement. qu'il en soit, il faisait quelque chose que vous, en tant qu'enfant, étiez capable de sentir clairement. Exactement. Bien. Donc, Dis-moi. et donc, en fait, il y a eu un côté aussi où ma mère était très, très perturbée. Elle a eu une tumeur au cerveau très rapidement. J'ai eu des premières prémonitions quand il venait l'agresser. Pas prémonition, télépathie avec elle où elle m'a appelé au secours. Donc, je partais dans la nuit, j'allais la rejoindre. Et donc, ça a fait que j'ai vécu beaucoup de choses en ce sens. Par exemple, je sortais toutes les lumières s'éteignaient quand j'avançais. Donc, moi, ça me faisait en même temps, j'avais une colère contre l'homme. Donc, je me disais, bon, de toute façon, non, je vous vins et tout. Mais en réalité, j'avais peur, mais j'essayais de dépasser cette peur. Et j'ai perdu beaucoup d'amis qui, eux, voyaient aussi des manifestations. Et au final, ça m'a beaucoup isolée, autant par le biais de la santé que par le biais de ces manifestations. Et ensuite, j'ai eu ma fille Tania, ce petit bonheur, et un ami m'avait dit, ferme les portes, Sophie, tu joues pas, en fait, et tu es en train de subir des choses, tu n'as pas confiance. Donc, quand j'ai voulu ma fille, j'ai dit au médecin que je voulais un enfant, il m'a dit, oh là là, faut qu'on se fasse aider avec votre santé, puisque même elle était désemparée. Et du coup, j'ai commencé à faire des sevrages pour les médicaments, et j'ai décidé de fermer les portes à tout ça. Qu'il y a, c'est que quand la petite est née, elle est née avec les yeux écarquillés, pas de bruit, rien. Mais par contre, à partir de 6 mois, elle a commencé des crises démentielles, en fait. Elle voyait des choses, elle hurlait, et c'était pas son cri. C'était très, très difficile. Jusqu'à ses 3-4 ans, elle ne parlait toujours pas, elle avait peur des enfants, et moi, je faisais tout ce qu'on peut dire là, au niveau psychologique pour être. Dès qu'elle entrait en cet état, de toute façon, je sentais avant, une heure avant, tout devenait électrique. Et je devais même écarter son père qui avait plus envie de la frapper qu'autre chose. Elle se tordait dans tous les sens, un peu comme dans les films, en fait. Et moi, j'ai tout fait pour pas d'une part, d'aller vers trop les médecins parce que c'était après rentrer dans un truc où c'est autisme, schizophrénie, des choses comme ça, et Ok, je savais. Sophie, c'est important, et c'est pour ça, tu sais, quand on a eu la conversation au tout début, que je préfère que mes clients voient certaines sessions, donc ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Mais comme je t'ai dit, Milena est connectée à toi, et la session, je vais la réaliser pour toi aujourd'hui. Donc on va aller voir ton enfant, d'accord, on va aller la voir, c'est quelque chose sur lequel je m'engage, d'accord. Mais moins d'informations tu donnes, moins l'esprit de Milena est contaminé. Ok, d'accord. D'accord? Donc, Le on prend en résultat. compte le patrimoine, l'éducation, l'environnement dans lequel tu as évolué, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire cette capacité également extrasensorielle que tu possèdes pratiquement de naissance, d'accord? Ce que j'aimerais voir, c'est. Donc, j'ai noté quelques détails très très importants, les blocages administratifs au niveau géographique, précarité au niveau du logement. Il y a autre chose que tu mentionnes et qui forcément, il faut qu'on revienne dessus. Marqué par une secte dans la zone vaginale, de quoi est-ce qu'on parle? Alors là, on parle du fait que j'ai fait des promessions d'acupuncture. Ce monsieur a mis une aiguille. J'ai vu là tout de suite, en fait, une image avec un homme dans le sang. Il m'a dit qu'il n'était pas, du coup, continuer l'acupuncture. Il m'a envoyé vers un hypnotiseur. Cet hypnotiseur m'a dit qu'il n'était pas hypnotisé. Il voit un nuage au-dessus de moi et qu'il ne sait pas ce qu'il va les faire rentrer. Donc, il m'a fait faire avec des personnes indiennes un rituel de protection. Et de là, en fait, j'ai fait, vu que ça marchait pas, du clair ressenti. Et en fait, ma maman me disait que mon père travaillait pour une secte Illuminati et qu'il était juste une frappe, en fait, qui faisait les règlements de compte. Mais dans cette histoire de clair ressenti, moi, le souci que j'ai, c'est que je suis obligée de m'isoler puisque les hommes tombent comme envoûtés.
C'est-à-dire que je veux avoir un ami, je veux discuter même un homme de 80 ans. Il y a toujours cette sphère où ils ne comprennent pas parce qu'ils tombent dans un état amoureux et ils ne veulent qu'une chose, c'est être avec moi, faire tout pour moi. Et en fait, je m'isole de plus en plus. Donc, ce n'est pas uniquement sexuel, c'est un envoûtement comme magnétique. Oui, c'est ça, comme magnétique. Et même des gens, des amis, les petits amis de mes amis, des cousins. Ça a toujours été ça. Et la fille du clair ressenti m'avait dit, de toute manière, ils t'ont marqué au vagin. Donc, ça vient d'une personne extérieure à ma famille. Et donc, elle me disait que ça venait de là par rapport à mon père et ce qu'il faisait. Bien. Et je ne sais pas si c'est vrai. Bien. Un autre détail, parce que quand tu parles, ça, en fait, on a tes mots qui sont comme écrasés, hachurés avec la qualité du micro. Concernant cette sœur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que j'avais cru comprendre que c'était ta plus jeune sœur, mais dans ton texte, tu dis j'ai assisté à cette scène, donc. Non, j'ai assisté à la scène du peut-être alors, du meurtre ou du règlement de compte que mon père aurait fait à Paris et qui aurait peut-être déclenché aussi le streptocoque et tout. En logique, c'est vers les 3 ans à Paris. Donc c'était le meurtre d'un étranger? Oui. Ils étaient 3 sur lui et je vois cet homme dans du sang et il y a mon père au milieu en fait. D'accord. Et quand tu dis que dans les derniers jours, ta maman recherchait cette sœur, ça sous-entend qu'elle savait qu'elle était encore vivante? Oui, c'est vraiment pas dans les derniers jours, ça a été toute sa vie. Donc là, juste avant son décès bizarre avec le sang noir, elle me disait, j'ai retrouvé Karine, il faut qu'on se voit, mais moi je suis loin. Je suis en Guadeloupe et je lui ai dit que je fais tout pour venir. Et en fait, tout s'est mis en place pour que je ne puisse même pas me déplacer. Ok. Et voilà. Respire profondément. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. C'est un lien très fort avec ma mère et c'est vrai que elle a vraiment tout faire du passage et tout fait pour essayer de la rassurer. Mais ton papa, il vit de son côté maintenant? Oui, il a toujours vécu de son côté. Ok. Bien. Bien. Avant de me lancer avec Milena, si en deux mots je te demandais, Sophie, qu'est-ce que tu attends de cette session? Qui est-ce que tu voudrais être après la session? Juste moi. Moi. Alors, avec tes compétences. L'intelligence, je sais que je peux faire de grandes choses. Bien. On y va? Bah. Très bien. Sophie, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement que tu disparaisses au niveau du son. Ça signifie que tu vas bouger ta souris sur ton écran. 3 pastilles, 2 blanches, 1 rouge, tu cliques sur la première. En forme de micro. Hop. Là, c'est parfait, on touche plus rien. Donc toi, Sophie, tu peux rester les yeux ouverts ou chercher l'intériorisation en fermant les yeux, en écoutant plus intensément la session, d'accord? Bien, Milena, je sais que tu y es. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Comme une personne mal vue, je veux dire, je suis pas bienvenue ici. Où est-ce que tu es? Je suis dans une espace blanche devant un mur en glace. Elle est derrière. Elle me regarde. Il y a quelqu'un derrière elle qui dit « Je suis son père, je suis sa mère, je suis sa sœur, son frère, je suis tout pour elle. T'as rien à voir ici. » Ce quelqu'un derrière elle, tu es capable de le voir déjà? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est un acheteur. Parle-moi de son physique. Comment est-ce qu'il se présente? Tout en blanc. Le cheveu blanc, mais blanc, vraiment blanc. La peau aussi blanche. Tout est comme froid, les yeux très clairs. Presque comme des glaçons. Bien. Et il est si sûr de lui que... quand je suis de ce côté, de côté du vivant, de côté des incarnés, elle n'y est pas. Et ce côté de son existence est rempli par le doute.
Je suis dans cet espace rempli par le doute. La seule personne sûre d'elle-même, c'est lui. Milena, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu dis du côté des vivants si elle-même, en cet instant, anime un corps physique, son propre corps physique? Mais sa partie n'est pas du côté physique. Sa partie subtile n'est pas de ce côté-là, n'est pas ici. Et derrière ce mur, ce vitre. Regarde, Sophie. Confirme-moi que son ADN, son essence, est bien celle qui anime ce corps physique. Oui, c'est bien, c'est lui qui l'a emmené pour cette session. Détache-toi de lui. Il l'a emmené pour cette session. Oui, pour nous montrer. Elle est là. Okay. C'est celle-là que vous cherchez. Bien. Alors, adresse-toi. Adresse-toi directement à lui. Cette farce de miroir, de glace. Non, en réalité, tu peux t'adresser à elle. Je décide de m'adresser à lui maintenant. Ce miroir, cette glace entre vous, pourquoi cette farce si de toute façon il a décidé de nous l'emmener aujourd'hui? Pour rire. Pour rire? Qu'il invente quelque chose de plus fantasque s'il attend de moi que je ris. Mais tu peux rien faire, toi. Il ne comprend pas ce que je dis. Tu peux la regarder, mais tu peux rien faire. D'où est-ce qu'il l'emmène? D'où est-ce qu'elle vient? Là, je vois pas. C'est derrière lui. Je vois pas. Bien sûr que si. Je sais que c'est de là. Bien sûr que si, tu vois. Oui, mais il m'écrit. Ça ne t'appartient pas. Ça te regarde pas. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Parce qu'il m'arrive de me contenter de l'invitation du corps physique pour m'imposer dans une session. Et puis cette autorisation, je l'ai de la part de son corps physique, son enveloppe physique. Il dit que c'est son corps physique. Je ne m'adresse pas à lui, je ne m'adresse pas à lui en réalité. C'est un message que j'envoie dans cette ambiance hypnotique. Je n'attends pas son aval pour prendre une décision. C'est elle que je veux. Elle que je veux atteindre. Tu veux la elle guerre, que je veux alors. Percer. Il peut l'appeler comme il veut. De toute façon, on est déjà en guerre ici. Son mot, pas le mien. Adresse-toi à elle. Et rien qu'à elle. Elle oriente, ne peut pas m'entendre. Oriente des casques sur tes pensées oreilles. Vers les tiennes. Une partie d'elle a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui. Trouve cette partie d'elle. Trouve-la. Elle a trop peur de lui. Il est derrière elle. Elle ne veut pas se communiquer avec moi directement. Trouve cette partie. Si elle ne veut pas communiquer, on s'en va. On la laisse exclusivement entre ses mains à lui. Mais Aurore, ça l'arrange. Elle ne me voulait pas de le vue. Alors, qui veut de nous aujourd'hui? Je ne vais pas m'inviter là où on n'a pas envie de moi. Exercer une sorte de violence. La partie physique, et que la partie physique? Impossible. Que seule la partie physique puisse prendre une décision, puisse métaboliser ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, sans qu'il n'y ait de connexion entre le corps subtil et le corps physique. Le corps physique n'est que l'expression de ce que ressent et de ce qu'elle est. Alors, elle m'a dit que quand il n'était pas si près, quand elle n'était pas emmenée vers cette frontière entre le vivant et incorporel, Elle a pris cette décision, mais maintenant elle a peur et elle a changé d'avis. Elle regrette sa décision, c'est ce que tu es en train de dire? C'est pas le regret, c'est qu'elle a trop peur, elle ne veut plus. Comme si elle se rendait. Bien. Elle change d'avis. Rétablissons un peu certains paramètres dans cette ambiance hypnotique. Tu parles de barrières, tu parles de murs, et moi je dis que tout cela n'existe pas, tout cela n'est qu'illusion. Le mur n'existe pas, la barrière non plus. Tu vas traverser, et tu vas traverser maintenant. J'ai fait disparaître ce mur, mais c'est mon influence. Elle ne croit pas, elle recule, elle. Avance encore. Mais écoute, parce qu'elle va entrer en lui. Entrer en lui? Non, elle n'entrera pas en lui.
Parce qu'il y a Elle toujours recule vers une part, lui. laisse-la reculer. Il y a toujours une partie d'elle qui veut de nous aujourd'hui. Une partie d'elle qui est terrassée par la peur et qui se dit que l'endroit où elle est n'est pas le meilleur endroit pour elle. Tu vas utiliser également un jeu de reflet, un jeu de miroir, en lui montrant tout ce que vit son corps physique depuis la naissance. Et me dire si on va laisser crever à petit feu encore ce corps physique longtemps. Tout ça parce qu'elle décide, il faut le suivre lui. Et il la caresse, il caresse sa tête subtile en disant, laisse ton corps physique vivre, tout ce qu'il doit vivre, tout est bien. Bien. Alors, faisons part au spectacle. Je vais m'inviter dans cette ambiance hypnotique. Ouais. Reconnais-moi, identifie-moi. Oui, tu es là. Tu te sens comme moi, tu te sens pas bien ici. Oh que si, je vais me sentir bien. Crois-moi. J'ai une fantastique capacité de caméléon. Visible et à la fois invisible. Les fréquences peuvent changer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. J'ai ma coutume comme un poisson dans l'eau à cet endroit. Et je vais m'approcher de lui. Je le connais déjà. Je l'ai déjà expérimenté. Je ne le laisserai pas envahir ma session, ni avec ses frontières, ni avec ses farces, ni avec ses illusions, peu importe qui l'a envoyé. Non, peu importe quel biais il a trouvé. Pas de frontières, tu es je chez moi me maintenant. Fous de savoir s'il rit, s'il pleure, ou même s'il parle. Il devient invisible. Invisible. Et je vais me charger de me placer entre elle et lui. Maintenant ! Mmh. Oui. Bien. Toi, tu attires son attention à elle et moi, je m'occupe de lui. Oui. Il ne lui parle pas. S'il s'adresse uniquement à moi et rien qu'à moi. Oui. Fais-la revenir. Mais la quand tu l'as fait, quand tu l'as séparé, je veux dire, quand tu t'es mis entre les deux, tout de suite, elle a ressenti comme si c'était habituel. Elle a ressenti la peur très profonde au niveau de son ventre. Touche-la. Élève tes fréquences. Rends-toi imperméable d'avec cet endroit, ce contexte, cette ambiance dans laquelle il nous a traînés. Imperméable. Oui. Poisson dans l'eau, Milena. Bien. Maintenant, tu vas la toucher. Soyons violentes. Je ne le fais pas. Dans cette situation, oui. Élève tes fréquences, choc quantique. Fais disparaître cette peur qui la terrasse. Rends-la vaillante. Elle est construite de cette peur. Or, brise cette peur. Je le neutralise. L'océan. Non! Je le neutralise lui. Non, parce qu'il y a renouvellement la fréquence de peur. Ouais. Choc quantique fiche son espace-temps. On s'impose. On verra plus tard si elle accepte ou pas le travail. Oui, j'ai attrapé ses joues dans mes mains. Bien. Pour qu'elle se focalise sur moi. Fais-le ainsi. Et je lui dis que j'ai pas peur. Parce que moi, j'ai pas peur. C'est que j'attends son acceptation de ma présence là-bas. Non, c'est ça ce qu'il me faut. Tu n'attends même pas l'acceptation de sa présence. Fais-la revenir. Comme si tu avais face à toi un corps inerte et qu'il fallait faire, tu sais, ce massage cardiaque avec ses appareils. Choque-la ! Oui. Ramène-la à toi. Oui. Ramène-la à toi. Dis-moi comment est-ce qu'elle se comporte. Oui. Je lui ai dit, je suis là. Bien. Est-ce qu'elle nous accepte, oui ou non? Oui, parce que je la tiens. Je tiens son visage entre mes mains. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle est consciente que son corps physique est en train de subir les tourments d'une interférence, oui ou non? Oui, mais elle n'osait pas de s'opposer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle ne s'oppose pas? Pourquoi prétend-il être le père, la mère, la il sœur? Il l'a complètement. C'est ça. Ce qu'il est tout pour elle. Comme si elle vivait, tu sais, dans un secte et c'était le maître
Et c'est lui qui décide qui elle peut voir, quand est-ce qu'elle peut l'avoir, avec qui elle peut vivre, qui peut s'approcher à elle, qui non, etc. Il décide de tout. Mais il aurait pu uniquement se présenter comme un maître. Il ne nous a pas accueillis ainsi. Il a prétendu être le père, la mère et la sœur à la fois. Ouais, il a tout pour elle, pour Pourquoi sa partie. Utilise-t-il les membres de sa famille pour se l'approprier? Pour qu'elle se sente le membre de sa famille, le membre de ce qu'il a construit lui, et non pas les humains. Bien. Demande à Sophie, que t'a-t-il fait pour te soumettre de la sorte? Qu'a-t-il fait? L'attraper. Et je vois un moment, quelqu'un l'a tué, quelqu'un l'a tordu le cou. Cassé, tu sais, sa colonne vertébrale au niveau du cou. Et dans cet être, dans cet humain, c'était lui. Tu l'appelles Ashtar. Combien d'êtres humains sont connectés à cette forme de conscience? Plus de 50 000, mais ce sont les êtres vraiment, les humains ou méchants ou qui savent diriger. Qui savent manipuler les fréquences. Elle n'a rien à voir avec ce genre d'individu. Pourquoi elle? Elle est bien impatiente. C'est comme une brebis. Et il aime bien ce type de personnage. Déconnecte! Non, je lisais à travers elle. C'était dans son esprit. Je ne le canalisais pas. Bien, et tu ne le canaliseras pas. Je neutralise cet être. Toi, tu maintiens Sophie avec toi. C'est ça ce que je veux. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Écoute, je n'aime pas cette ambiance. Pas du tout. Tout est blanc ici, tout est propre, mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les humains, ça. Je vais rester sur place, vois-tu? Je vais continuer à neutraliser cet être dans la réalité éthérique de Sophie. Et toi, tu vas remonter le temps, Milena, remonter le temps et aller voir d'où elle vient. Où était-elle avant qu'il ne nous l'offre? C'est comme un panopticon, si tu sais. À l'intérieur, c'est son nid. À l'intérieur, c'est une structure où il maintient les âmes humaines. Comme s'il était un araignée qui a une toile. Il s'en collait là, à l'intérieur. Mais il ne montre pas. C'est l'endroit le plus important pour lui, endroit fragile. Entre dans cet endroit. Si c'est l'endroit vulnérable, c'est là où on va. Vas-y. Oui, je dois m'enseigner comment, parce que c'est collant, c'est vraiment collant. C'est vraiment comme une toile d'araignée. Bien, mais tu es capable de te créer au milieu de cet environnement une super combinaison sur laquelle ces choses ne feraient que glisser sur toi. Un poisson dans t'as l'impression que tu te trouves dans une mansarde, tu sais, il y a plein de secrets, il y a plein de toiles d'araignée qui personne ne fréquente parce que c'est un endroit pas agréable. Ces âmes, Milena, appartiennent à des incarnés ou des désincarnés? Ces âmes sont et des incarnés et les incarnés, mais les incarnés ne peuvent pas s'accrocher à la vie. Ils sont comme moitié morts. C'est ce que tu prétends d'elle, qu'elle est incapable de s'accrocher à sa vie physique? Oui, elle n'est pas de la partie de ce côté-là. Elle n'est pas aux côtés des vivants. Quelles sont les manifestations physiques de ce manque d'ancrage, de cette déconnexion de soi à soi? Vulnérabilité. Elle est comme une feuille sur le vent qui flotte ici dans la vie. Et c'est lui qui souffle. Ok, bien. Maintenant, il y a de très nombreuses informations qui ont été portées à notre connaissance au début de la session, notamment concernant sa famille, le milieu dans lequel elle a évolué. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre... Il était dans
dans la partie génitale de son père quand elle était inséminée. Inséminée. C'est comme si c'était lui qui a choisi son corps. Volontairement, il s'est mis dans cette partie énergétique du père. Bien sûr que volontairement, c'est lui qui décide de tout. Il possède le père? Ouais. Mmh. Que comptait-il faire en s'imposant dans cette partie du corps du père lors de cette insémination? Créer une bonne brebis, ce qu'il aime. Une bonne brebis. Brebis qui est destinée à être égorgée. De nouveau égorgement, de nouveau la mort par ici. Lors de cette insémination, nous parlons seulement d'une probabilité de l'insertion d'un spermatozoïde dans une ovule. Où est Sophie à ce stade? Dans ce mansarde-là, dans cet endroit. Elle est déjà dans cet endroit? Bien sûr. Alors pourquoi juge-t-il nécessaire de s'imposer au corps du père, sachant qu'il possède déjà cette âme humaine, celle de Sophie? Parce qu'il veut décider de tout. Parce qu'il doit sentir que c'est lui son père et sa mère, que c'est lui qui crée. Est-ce qu'il est présent dans l'énergie de la mère? Déconnecte. Est-il présent dans l'énergie de la mère? Avec la semence entre là-bas, oui. La mère est affectée par cette énergie dans son corps? Il doit céder son utérus pour cette grossesse, oui. Elle doit céder son utérus, c'est-à-dire cette partie de son corps énergétique, ouais. Pour cette grossesse. Et non seulement pas pour cette grossesse, c'est pas... Il le fait avec cette femme. À quel stade de la gestation elle va incorporer son corps physique? C'est assez tard. C'est 7e mois, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce si tardif? Parce qu'il a décidé ainsi. Y a-t-il une raison derrière cela? Il ne veut pas qu'elle se... Tu sais, quand tu fais 9 mois de gestation, tu t'installes dès le début, tu as le temps de t'habituer à ton corps, à ton ambiance, à tout ce qui t'attend. Quand tu es jeté juste avant la naissance, c'est un choc. C'est toujours un choc de venir au monde. Pourquoi cette âme humaine dans ce corps de femme? Pourquoi elle? Quel est l'objectif, le dessin final? Pourquoi cette âme humaine? Parce qu'il a voulu un cœur pour le brebis qui va être consacré par l'égorgement. Sacrifié par l'égorgement, c'est ce que tu dis? Oui, oui. En termes de symbolique, elle n'est pas une brebis, qu'est-ce que ça signifie? Comment doit se dérouler sa vie humaine? Il a préparé déjà la mort pour ce corps. Parle-moi de cette mort. Je vois les couteaux, je vois un homme qui est de la gorge. Elle va être comme attaquée. Tu me parles du passé ou tu me parles de cette vie présente? Du futur, de cette vie présente. Yeah. C'est ce qu'il appelle égorger une brebis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Okay. Et le sang, ça va couler. Et sans lui, elle ne veut pas sortir de son corps. Elle l'appellera pour l'aide. Elle sera encore plus liée à lui, puisqu'il sera son sauveur. Elle se donne de plus en plus. Ça reste à voir, Milena. Je te dis ce que je vois. Qu'est devenu, oui, dans un univers extrêmement contaminé. Tu captes l'essence de ce qu'il veut bien filtrer, Milena. Oui. Jusque-là. Oui, c'est lui qui propose tout ça. C'est lui qui... Dis-moi une chose. Maintiens toutes ces scènes figées. Comme ça, on contrôle l'environnement. Oui. Figées. Mm-hmm. On a parlé d'un autre membre de cette famille. On a parlé d'une sœur. Une sœur qui, du jour au lendemain, disparaît. Mm-hmm.
quand il fait. C'est aussi lui qui a préparé son corps. Je veux dire, la même, je vois le même processus. Quand il c'est fait comme si cet c'était sa création. Déconnecté. Et là aussi, dans ses mansards, je vois la partie subtile dans ses mansards aussi. Son corps physique. Est-il vivant? Il dit seulement, tu ne le trouveras jamais. Ne t'adresse pas à lui, n'attends pas qu'il impose... Je ne m'adresse pas, ce sont les informations qui arrivent dès que tu poses les questions. Bien, alors sors de cet endroit. Sors! Sors de cet endroit. Je dois me mettre... À l'extérieur, dans un endroit non contaminé, un endroit qu'il ne possède pas, un territoire qui n'est pas à lui. Sors! Sors, sinon c'est moi qui viens te chercher. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Réponds-moi simplement par oui ou par non. Cette sœur dont tu as vu ou entrevu l'âme est-elle vivante? Possède-t-elle un corps physique? Il y a le non qui me vient. Ok. Non. Est-ce qu'elle est... morte à l'état de nourrisson ou de jeune enfant? Et je la vois comme adulte, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, elle est morte, mais je ne comprends pas ce que je vois. Pourquoi la mère continuait de la chercher? Encore et encore, jusqu'à la fin. Par le remords, par la culpabilité. Parce qu'elle a cédé son utérus. Parce qu'elle ne luttait pas. Parce qu'elle a permis à cet être de l'utiliser. Céder son utérus ou céder son enfant? Il prend l'utérus et en fait c'est l'enfant qu'il met à l'intérieur, c'est à lui. Elle se regarde la mère. Elle l'a permis de le faire. Bien, mais le corps physique de l'enfant a disparu du jour au lendemain. Oui. Comment une mère pourrait-elle perdre cet enfant? Un père? Menacé. Menacé, toujours menacé. Cet enfant a Il été donné? Il fait tout ce qu'il veut. Oui ou non? Mais pas par la mère. La mère comme si elle ne voulait rien savoir. Donné par le père? En fait, par lui, par ce acheta à travers le père. Ok. Pourquoi une telle offrande, un tel cadeau, la vie d'un enfant? Parce qu'ils sont tous le brebis et tu peux faire avec un animal tout ce que tu veux. C'est comme cette. Tout de suite, je suis envoyée à cette histoire de Bible de Isaac, on dit. Tu sais, comme. Je sais pas qui a dû consacrer son fils. Je ne me rappelle pas. Mais c'est de ce type de brebis on parle. Tu dois consacrer. Okay. Tu dois être prêt à consacrer. Le père est prêt. Il y a un lien entre cette situation, ce qui s'est passé avec l'enfant, et ce qu'on nomme tout bonnement une secte. Oui. Ok. Oui. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de ces différentes scènes. Déconnecter. Bien. J'ai besoin de savoir dans le présent si elle occupe son corps physique. Tu disais qu'elle ne pouvait sortir de son corps physique sans son aval. Elle anime son corps physique, mais elle n'est pas dans son corps physique. Je veux dire, elle n'a pas droit d'être dans ce côté, dans le côté de vivant. De ce côté-là. Donc il y a une énergie qui anime son corps physique, mais son âme est prisonnière dans un autre endroit? Cet endroit de toile d'araignée que tu mentionnais? Cette mansarde, j'ai l'impression que c'est comme... C'est vieux mansarde. Si tu restes... C'est pour ça qu'elle était si vulnérable au départ. C'est pour ça qu'il parvient si bien à la faire... se maintenir dans des fréquences de peur, parce qu'elle n'est pas complètement là. C'est très illusoire ce qui reste d'elle. Non. Elle est comme si elle était, elle avait un corps physique, mais elle était morte.
Elle ne se voit pas elle-même au niveau subtil comme vivante. Pourquoi n'avons-nous pas été immédiatement projetés, Milena, dans cet endroit-là où est abrité son véritable corps énergétique? Non, il protège cet endroit. Je viens de te dire, c'est comme, c'est quelque chose de très fragile pour lui. Il entasse là-bas tout ce qui a valeur pour lui. C'est pourquoi ça me rappelle la vieille mansarde, ici avec plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose dans cet endroit qui mérite qu'on s'y arrête un instant, hormis toutes ces Il y œuvres? a deux écritures comme sorte de livres. Qui avait ses empreintes physiques sur Terre. Il y a plein de trucs, Aurore. Il y a plein d'inventions aussi physiques, comme la lunette, sorte de lunette, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs, Aurore, ici. Il y a même une table à torture, comme s'il avait aidé à inventer des choses pareilles. Une mansarde, tu sais, avec de trucs, de ramasse-poussière, on dirait, mais. Mais c'est assez empreinte ici sur deux. Ok. Dis-moi une chose, cet être est-il indépendant ou s'inscrit-il dans une organisation plus grande? Complètement indépendant. Ce type n'arrive pas, ne serait pas capable de travailler pour qui que ce soit. Complètement indépendant. Bien. Oui. Son ADN est pur, unique. Unique, très pur or. Tu dirais pureté d'un cristal, mais c'est méchant, extrêmement méchant. En fait, c'est froid, il n'y a pas de. Il ne ressent pas ce que tu ressens. Il n'est pas capable de sentir pitié. Seuls les humains peuvent ressentir ça, vraisemblablement. Pitié. Ça n'existe pas chez lui. Pour autant, Comme il si est tu avais. vulnérable à des fréquences négatives. Tu viens de le mentionner. Qu'il est vulnérable aussi. Oui, mais c'est le mot pur, transparent. Ce n'est pas ni collant ni noir, c'est purement transparent. Évalue la fréquence. Il y a toujours une émotion derrière. Je sais pas, cruauté. Bien, tu vois, Pure cruauté. on le tient quand même. Ok, bien. Je suis toujours avec lui, Milena. D'accord? Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est vers elle que tu vas maintenant, mais pas l'énergie limitée qui fait vivre son corps physique. Direct, son âme, son essence, son Je soi. suis devant elle. Je maintiens ses joues. Je lui regarde directement dans les yeux. Qu'est-ce que tu captes d'elle en cet instant? À quel point c'est un être fragile. Et c'est cette fragilité hein, qui l'a mené vers cette vulnérabilité. Il faut l'utiliser pour autre chose. Pourquoi? Pour la beauté de vie. Est-ce qu'elle se souvient comment est-ce qu'elle est entrée dans cet endroit? Il l'a tué. Et il l'a arraché de son corps physique mort. Comment un être vivant dans une dimension différente de la nôtre pourrait-il donner la mort à une humaine? Parce il a ses croyants, on dirait, comment on dit, ceux qui croient à lui. C'est croyant? Ouais, voilà. Et cette croyance lui permet de pénétrer leur corps, de le posséder. Mais tu sais comme moi que les croyances humaines ne se tournent que très rarement vers ce type de maître ou d'ascenseur spirituel. On parle plus des Ces humains gens de ne sont Jésus, pas. le Bouddha. Alors, Jésus, ça lui fait rire. Bouddha, ça lui fait rire. Ce sont que deux En personnages, les quoi croient ces pires. gens, ces croyants? Quelles figures, quels symboles? Qui sont-ils? Pur mal. Satanique? Non, ça lui fait rire, satanique. Il n'aime pas le noir, il aime le pur, le blanc. Alors C'est qui? comme maître,
ce type de personnes, ce sont de... Pas sociopathes, comment on les appelle, de C'est psychopathes. psychopathe. Ils croient que tout ce qu'ils font, c'est pour le bien, mais ils font du mal extrême. C'est comme faire du mal avec le gant blanc, tu sais. C'est ça ce qu'il aime. Il faut cette croyance, il faut cette pureté. Les satanistes sont stupides pour lui. Parmi les âmes qu'il possède, il y a donc les âmes de ces êtres qui n'ont pas de sentiments, tout comme lui, et des âmes plus vulnérables, les brebis, c'est bien ça? Oui, les brebis et ceux qu'il manipule pour faire du mal. Il y Oui, a donc les au sein du système, il a créé un autre système central avec une dualité. dualité extrême, le brebis, le bourreau. Extrême. Il n'y a pas de milieu. Ouais. Une Les brebis dualité sont extrême. blancs et ils vont saigner avec le rouge. Quand ce père a des gestes inappropriés à l'égard de la fillette qu'elle est, elle ressent la présence d'autre chose qui possède le père. Bien sûr que c'est lui, sauf que le père est possédé depuis extrêmement longtemps. L'esprit, la mentalité du père est distorsionné complètement. Donc, c'est pas toujours lui qui dirige. Je veux dire que le père déjà fait machinalement certaines choses. Donc il peut posséder clairement le père, sans inconvénient. Oui. Même quand il n'est pas là, le père va répéter de gestes, de mots. Il va se comporter comme s'il était là, tellement distorsionné. Bien, ok. J'avais une question, mais l'idée m'échappe. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça y est. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens comme chez lui, tu sais, quand tu parlais de ces mauvais gestes, d'un coup il incite l'excitement et vraiment il joue très bien, Sors Aurore. de cet endroit. Sors de son esprit. Ne te laisse pas happer. Ça ne vaut pas la peine. Oui. Ok. Dans sa vie physique, Sophie expérimente de nombreuses complications de santé. Paralysie, des maladies invalidantes. Tout pour qu'elle. Il y a deux facteurs, puisqu'elle n'est pas complètement dans son corps, donc le corps est comme mourant, n'est pas vivant vraiment, mais d'autres choses, elle doit aussi attirer par son état, comme envisager la mort, elle doit attirer l'homme qui va la tuer, ça sert aussi à ça. Il a besoin de cette souffrance, il Attrayer. se nourrit de cette souffrance. Oui, parce que c'est une bonne brebis. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est pas la pure souffrance physique, ça lui sert à rien, mais ce qu'il tire d'elle quand elle est là, quand elle se regarde souffrante au niveau physique, elle peut rien faire, c'est ça ce qu'il adore. Cette sensation d'impuissance, c'est ça ce qui le nourrit plus que le souffrance physique. Qu'est-ce qui la rend si envoûtante aux yeux des hommes? Qu'est-ce que ça veut dire envoûtante? Irrésistible, attractive. C'est ça ce que je viens de vivre. Il aime bien se sentir excité. Il s'excite facilement. C'est ça. Elle est excitante. Puisqu'il est excitant. Donc c'est ce qu'émet son corps, c'est ce que ressentent les hommes, sorte de double Ouais. langage qui est Ah oui, compris et parce que décrit. c'est en fait cet excitement est purement masculin ce qu'il ressent, donc ça attire les hommes spécialement. Ouais. C'est assez méchant cet excitement. C'est un excitement comme qui donne la puissance à un homme, comme s'il se sentait permis à la violer. Et ça, je sais pas, ça réveille quelque chose.
primitif chez les hommes. Ok. Bien. Ouais. Déconnecte-toi de ces images. Ouais. Complètement. Ouais. Déconnecté. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Ça dépend où tu me mets. Maintenant, je suis revenue vers elle. Reviens quand je suis devant elle. Avec je me sens tu te rends bien. Adaptative dans cet endroit afin de ne pas en être affectée. Oui. Souviens-toi. Oui. Ok. Bien. Il y a une partie d'elle qui reçoit des informations. Elle voit des morts. Elle sait des choses sur le futur. Elle est parmi les morts, elle vit parmi les morts. Bien sûr qu'elle le voit. Alors qu'est-ce elle a une bonne brebis. D'anticiper la vie future, les événements futurs. Parce qu'elle connaît son futur déjà. Elle va être égorgée. Déconnecte. Déconnecte. Oh, moi je lis les informations, je ne sais pas si je suis connectée, je suis devant elle, connect. Je lis à travers ses yeux. Sors de cet endroit, maintenant, sors, reviens à toi, ta chambre, ton canapé, ton corps, tu respires, tu remobilises non seulement tes fréquences, mais aussi ton corps physique, je veux que tu reviennes. Chaque battement de cœur plus présente. Arrache ton esprit de cet endroit complètement. Maintenant, je sens à quel point mon corps physique n'aimait pas cet endroit. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Comme si... je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais quand tu appuies le nerf et après tu as mal à retrouver la sensation dans le corps. Tu es comme... Étriqué. Je ne sais pas comment. Oui. Bien. Fais circuler les énergies qui vont être convenables pour récupérer un équilibre dans l'énergie, dans le corps. Dans l'énergie et dans le corps. Oui. Ok. Est-ce que tu te sens mieux? Beaucoup mieux, oui. Bien. Alors c'est vers toi que je viens maintenant. Main dans la main cette fois, pour cette session. Ça faisait longtemps. On va entrer dans cet endroit. Tu ne seras plus seule. D'accord? Je n'étais pas seule, tu étais là. Bien. Mais pas suffisamment près, vraisemblablement. Et on se plante face à Sophie. Tu le sais, quand je m'invite dans un endroit, je suis comme très territoriale. Chez elle, c'est chez moi. Bien. Maintenant, adresse-toi à son esprit et je me charge d'envoyer une décharge énergétique pour créer un pont entre ton esprit et le sien. Je veux savoir si elle veut sortir de cet endroit de damné, oui ou non. Oui, mais elle a peur. Donc, je ne sais pas si c'est oui ou c'est non. Qu'est-ce qui peut être pire que ce qu'elle vit en ce moment? D'être punie pour essayer d'échapper. N'a-t-elle jamais été punie? Non, à quoi ressemble la punition de cet être? Ça m'intéresse, ça pourrait me rendre créative. Briser sa colonne vertébrale, par exemple, ce qu'il lui dit maintenant. Bien, mais elle a connu ça déjà dans sa vie physique. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'il compte encore l'impressionner? La rendre vraiment handicap sans qu'il n'y ait personne à s'occuper d'elle. De vivre sans sentir d'être capable de faire quelque chose. Bien, regarde son passé. Regardons ses vies passées. Voyons voir si elle n'a pas déjà expérimenté pleinement ce type de châtiment. Qu'est-ce qu'il y a encore à craindre Sauf après qu'elle ça ne les a... pas survécu. Qu'est-ce qu'il y a encore à craindre après ça? Qu'est-ce qui peut être pire que ça? C'est comme si lui disait que c'est pas si mal, qu'elle est obéissante, donc tout est bien, que ça peut être pire que ça. Et puisque c'est déjà
insupportable, donc elle se pose des questions. Qu'est-ce que peut être pire? Moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Il est très convaincant. Créatif, lui, donc il envoie plein d'images pour lui montrer qu'est-ce qui lui peut lui arriver à elle. Bien. Autour, dis-moi s'il y a des âmes autour d'elle. Non, parce que nous, on ne se trouve pas à l'intérieur de ce... On est là où tu m'as dit de la draper par le jour. Dans cet espace blanche, là où avant il y avait le mur vide. Quand tu l'attrapes par les joues, est-ce qu'il y a un système d'écho, une voie de résonance entre cette partie-là d'elle et cette partie dans cette toile, dans cette mansarde? Non, quand on est là, elle était emmenée vers nous. Elle est sortie de là. Elle a été sortie. Mais tu m'as dit d'y aller, de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, donc je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Reste là, dans cet espace plat. Ouais. Reste là, dans cet espace plat. On va y être que plus commode dans cet espace plat. Bien. Demande-lui si elle me laisse les pleins pouvoirs, le temps de cette session pour agir en son nom, et faire en sorte qu'elle ne ressente plus cette peur. Oui, mais t'es pris de l'éliminer. De le... Comme si elle disait tuer, mais différemment, pas ses mots, d'éliminer. Ah, ok, je veux qu'il entende ce qu'elle dit. Elle veut qu'il cesse d'exister. Bien, alors je vais me charger de faire en sorte qu'il n'existe plus. Tu te souviens? Je suis excessivement territoriale, Milena. Oui. Je vais m'intéresser à tout ce qu'il a pu créer, la façon dont il a pu influencer l'esprit des hommes. Je ne peux effacer les choses des esprits des hommes, mais je peux éliminer toute source de contamination de l'esprit des hommes. Moi, je ne comprends pas. Il utilise sa propre méchanceté, cette cruauté, et ça excite les hommes. Je vais me débarrasser de ces livres, naturel. De ces créations. Tant qu'il est connecté à elle, il est dans mon pouvoir. Il n'aime pas ça. Parce que quand tu touches ça, les empreintes physiques perdre leur force. Bien. Comme si ces livres sacrés est devenu normal, comme les autres. Tu me laisses? Non, on termine. Interposer, je ne veux pas que tu le canalises aujourd'hui. Bien, un seul message. Elle m'a donné le droit de t'éliminer, de te détruire. Et c'est ce que je vais me charger de faire. Il a souri. Eh bien, il sourit autant que moi. Au moins, on partage quelque chose à ce stade de la session. Bien. Confirme-moi qu'il y a éloignement du corps subtil, du corps physique. Oui, il y en a. Et assez fort. Ok. Alors, on va remonter le temps. Tu vas aller à l'origine de cette interférence. La première fois elle l'a vue, ou elle l'a sentie, ou elle l'a rencontrée. 18e siècle, là. Elle est pauvre, elle était pauvre. Elle demandait juste de l'argent pour nourrir sa femme. Je pense que ses frères, ce ne sont pas ses fils. Et c'est donc c'est mise en colère. Comme si elle était une ordure, pas un être humain. Qui s'est mise en colère? L'homme qui passait à côté. Et elle l'attrapait par les bras pour lui demander de l'argent. Avant cette rencontre, avant même cette rencontre, énergétiquement, regarde l'enfant qu'elle était dans ce passé. Comment était-elle? Elle n'est pas l'enfant, elle est une très jeune femme, comme jeune femme. 20 ans. Oui. Elle est bien. Elle n'est pas riche, elle est plutôt pauvre, mais elle sourit. Je veux savoir si elle a décidé volontairement d'expérimenter cette condition humaine, oui ou non? Elle est venue sur Terre, oui, par sa décision.
mais comme si elle ne voulait pas participer à ce système. C'est pourquoi elle est plutôt pauvre, puisqu'elle gagne ce qu'elle gagne, on dirait en hasard, je veux dire, de jour au lendemain. Parce qu'elle ne veut pas intégrer le système, c'est ce que tu as dit? Non, par exemple, un jour, elle se propose pour laver le vêtement à quelqu'un, l'autre, à, je ne sais pas, le pourquoi repasser. Pourquoi se refuser d'intégrer le système qui va souvent de pair avec l'acceptation du corps humain? Pour elle, le système, c'est train-train, je veux dire, mettre au boulot dodo. Quand il répète, c'est le système. Elle ne répète pas, elle ne se pose pas de questions, quoi, demain. Elle veut vivre jour le jour, vivre l'instant. Oui, c'est ça ce qu'elle faisait. Oui. Okay. Donc il y a une acceptation de ce corps, de cette condition de femme, de jeune femme. Oui. Oui. Bien. On retourne dans cette scène. Elle aime bien son corps. On retourne dans cette scène. L'homme. Oui. Elle était collée à un mur et d'un coup elle voit cet homme bien habillé, bien riche. Et puis elle savait qu'elle était belle, donc elle s'est dit, je vais lui demander, je vais lui sourire. Sûrement il va me donner quelques sous. Sauf que c'était un pervers. Continue. Si les yeux se sont croisés, cet être-là détectait tout de suite cette pureté. C'est quelque chose de très frais, c'est quelque chose qu'il a envie, cette fraîcheur. C'est une vraie vie. Tu le sais, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle l'a laissé entrer, pourquoi est-ce qu'elle a autorisé une telle connexion. Parce que cet homme était fort, parce que cet homme-là agressait physiquement, elle n'avait pas de chance physiquement. Il l'a agressé physiquement? Oui. Cet homme, oui. Qu'a-t-il fait? L'a attrapé par les bras et a commencé à la traîner. Elle était tellement en choc qu'elle n'a même pas crié. Mais il n'y avait personne autour? Si, si, il y en avait, mais cet homme est puissant. Personne ne s'opposerait. Il l'emmène dans un endroit, ça n'appartient pas à lui. Il la fait descendre comme dans des caves ou je sais pas quoi. Il est excité comme s'il aimerait la violer, mais l'autre ne veut pas, n'est pas intéressé tellement par le viol, par le sexe. Et Ashtar. Connecte à cet homme. Âme. Oui. Continue. Donc avant que l'homme physique la viole, le tord le cou, elle meurt là. Elle meurt. Elle se met directement devant ce Ashtar qui la encore maintient par le cou. Elle est dans son corps encore? Oui. Je veux entendre ce qu'il lui dit. Il sourit plutôt. Sourit et dans ses souris, dans ses yeux, il y a tout. Il y a déjà son destin, Aurore. Et il y a ses messages dans le regard. Tu m'as brebi, tu fais partie de mon troupeau. Pourquoi est-ce qu'elle se soumet à lui, à ses invectives? Parce qu'elle n'a jamais vécu une telle violence. Parce qu'elle ne s'est pas préparée à ça. C'est le choc. Qu'on peut dépasser tant de frontières en un instant, en un moment, jusqu'à la tuer. Et c'est possible sur Terre, c'est pourquoi la Terre est si intéressante. Ici, tu peux dépasser toutes les frontières que les humains, d'ailleurs, ne dépasseront jamais, n'expérimenteront jamais. Et après, une fois extrait de son corps physique. Comme si ce destin qu'elle voyait dans ses yeux,
elle a commencé à croire, donc elle a commencé à co-créer avec lui la création qu'il voulait, le destin qu'il voulait pour elle. Elle est emmenée directement dans cet endroit. Oui. Bien. Oui. Ok. Bien. Et c'est là le message, je suis ton père, je suis ton frère, je suis ta mère, je suis ta sœur, je suis tout pour toi. Son soi du présent souhaite modifier sa destinée. On ne va pas vivre ce qu'on vient de vivre. Une seconde. Milena, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Je perds l'image. À ce stade de la session, je pense qu'il essaie d'interférer. C'est pas très grave. Reste dans ce passé un moment où elle n'a pas fait la rencontre avec cet homme. Remonte le temps. Mm-hmm. Bien. Et comme par enchantement, je récupère l'image encore. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Je me sens bien. Elle est très claire. Elle est très souriante. Bien. Pour autant, il va falloir lui transmettre ce qui va se passer dans son futur. L'oiseau de mauvais augure, c'est ce qu'on va être aujourd'hui. Montre-lui ce qui va se passer. Il va se passer que d'une personne qui ne craignait rien, d'une personne qui avait courage de vivre au jour de lendemain, qu'on a perdu ce courage, nous comme l'humanité, qu'elle va devenir la plus craignante. La plus craintive. La plus vulnérable. Quand elle aura vu ce qui va se passer dans son futur, ce qu'il veut faire d'elle, il décide de toutes ses conditions de vie. Elle va sacrifier tout, chaque fois sa vie. Bien, mais lui va la sacrifier vie après vie. C'est ce qu'il veut faire, oui. C'est ce qu'il veut d'elle. Oui. Il veut accentuer cette extrémité de dualité dans le système des hommes. C'est comme s'il jouait son bourreau et après son sauveur. Oui. Bien. Quand tu te seras assuré que dans son esprit... En fait, j'ai compris. Oh, c'est un psychopathe parfait. C'est un modèle de psychopathe parfait. On le sait bien, toutes les deux. Oui. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'elle le sait aussi. Il n'aura aucune pitié. Sauf... si dans ce temps passé, elle décide de modifier sa trajectoire. Oui, c'est ça ce qu'elle a compris. Que ce qu'il a faisait à... continuer à côté de lui, c'est qu'elle avait toujours pitié. Parce que dès qu'il a dépassé des frontières, il montrait ce côté de sauveur. Elle avait le pitié pour lui. C'est ça ce qu'il faut jouer comme lui. Pas de pitié. J'aimerais, tu sais, lui soumettre l'idée que dans ce temps passé, nous pourrions aisément changer de chemin, emprunter une autre ruelle peut-être, et continuer comme ça de vivre au jour le jour. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir qu'elle est capable de s'imposer face à cet homme, face à cet être. Elle vient de comprendre, pas de pitié. Oui. Pas de pitié pour ce type d'être. Il n'est pas humain. Non. Il y a certaines émotions qui étaient élevées, développées par les humains, et elles sont destinées que vers les humains. Elle doit modifier le cours de l'espace-temps. Oui. Une suggestion de sa part? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle regarde cet homme, elle ne l'attrape pas par le bras, n'entre pas en contact avec lui. Continue. Le laisse passer. Dis-moi ce que tu vois, c'est important. Elle regarde sa main, tu sais, la main qui demandait de l'argent. Elle a quelques pièces. Elle compte ce qu'elle va acheter avec ça. Okay. Elle sourit. Tu sais, j'ai toujours
une partie de moi qui doute quand on réforme la destinée et qu'il y a ce mouvement d'évitement, et d'avec l'humanité et d'avec ces mondes invisibles. Qu'est-ce qui peut me persuader qu'elle sera capable par la suite de faire face à d'autres, si d'autres viennent pour elle? Comme si elle gardait en esprit ce qui pourrait se passer. Comme si elle était consciente que ça existe. Que ouais. Ça sous-entend avant, elle n'était qu'elle pas. Est capable de modifier son destin, mais de comprendre aussi ce qui se passe dans l'interférence, ce qui se passe dans ce plan physique. Oui. Bien. Oui. Bien. Maintenant, avance de 24 heures. Ça la renforçait énormément. De 24 heures dans ce passé. 24 heures. Il y a une décision, je ne sais pas pourquoi, il y a une décision de partir de cette ville. Mais pas parce qu'elle fuit. C'est parce que ce qu'elle a fait l'a renforcé. Elle regardait ses pièces d'argent, ses quelques pièces, et d'un coup elle se sentit riche. Que c'était suffisant pour tout. Leurs parents sont morts, c'est pourquoi elle doit gagner de l'argent. Elle s'occupait de ses deux frères. Elle a décidé de quitter cette ville. Bien. J'aimerais vivre beaucoup plus près de nature. Et je le vois, je vois qu'ils ont toujours quelque chose à manger. Je vois qu'ils sont bien. Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est consciente des mouvements qu'elle a créés? Très consciente. Bien, c'est elle n'a rien oublié. Bien. Elle ne peut pas rien oublier parce que c'est en fait c'est l'ignorance qui a permis cette première histoire, stream de l'histoire se passe. Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène parce que je veux la voir avec ce changement du passé, je veux la voir dans le présent. 2020. Je vois la même fille aujourd'hui. Je veux dire, elle n'a pas changé. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Dans son corps physique. Mais comme si elle avait 20 ans. La même fille. La même énergie. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle ne craint rien. Elle trouvera toujours la solution. Le jour au lendemain. Elle n'est pas enracinée. Parle-lui, mais c'est bien pour elle. Parle-lui de sa fille maintenant. Qu'est-ce qu'elle sait d'elle? Qu'est-ce qu'elle comprend d'elle? Elle était isolée de sa fille. Elle doit la connaître de nouveau. Bien. L'enfant a été affecté, Milena. Elle voit des choses, elle entend des choses. Oui, bien sûr. Oui. Elle montre le chemin, comment sortir de ce labyrinthe. Elle est sous la même interférence? Mais pas si fort. Influencée, oui. Oui. Elle est sous la même interférence. Oui. Pas si fort, ça sous-entend que son âme est encore dans son corps physique, oui, non? Je pense que le travail qu'elle a fait a aussi changé l'histoire de sa fille. Elle est dans son corps. Je vois la fille dans son corps. Mais je pense qu'auparavant, ce ne serait pas ainsi. Ok. Léna, ensemble, si tu veux bien, d'accord? Reconnais l'enfant, assure-toi qu'il s'agit bien d'elle. Oui. Bien, à nous deux, on va comme se prendre les mains, l'enfant sera au milieu et on va lui transmettre tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait de ces mondes, de leur influence sur le corps physique, de l'illusion qu'ils créent pour nous. Mmh.
du jeu formidable de la fréquence. La peur en un instant peut disparaître, comme la souffrance. Simplement parce qu'elle le veut. Changer. Se débarrasser de ce que je considère comme des parasites. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Elle nous tient par les mains. Elle ferme les yeux. Elle se libère de tout. Mais vraiment de tout. L'interférence était plus légère. Mère et fille peuvent communiquer à chaque instant, pas nécessairement dans ce cadre. Dans ce cadre hypnotique, il y a ce double discours constant. Constant. La mère influence la fille influence la mère. Oui. Ça va, c'est la petite, la fille qui le dit que ça valait la peine pour pouvoir ouvrir les yeux, voir les étoiles. La lumière dans les yeux de sa mère maintenant, comme si elle se synchronisait avec ça. Parce que si tu ne brilles pas, tu ne peux pas voir cette brillance dans les, chez les autres. Cette lumière. Bien. On finit de transmettre à cet enfant ce qu'il lui faut de fréquence pour retrouver un équilibre, Milena. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de cauchemar. Elle ne leur permet plus ces invasions. Ces cauchemars, c'était comme le chauve-souris ramassé dans sa tête, comme le vieux truc, comme le vieux souvenir, pas forcément de cette vie. Et ça s'envole de sa tête. Tout s'envole de sa tête. Elle est partout. Bien. Oui. Tout est parti. Demande à l'enfant si elle a encore besoin de nous. Non, elle ne veut pas elle ne veut pas quitter sa maman. Pourquoi? Ne se sent pas à l'aise encore. Faut rester seule. Qu'est-ce qu'elle craint? Il n'y a pas de solitude. La solitude n'existe pas. Non, c'est pas la solitude. Qu'est-ce alors? De ne pas tomber dans le même piège. Comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elle est capable de continuer ainsi. Ok. Je vais prendre sa tête entre mes mains. Mm-hmm. Tout est question de choix. On peut décider d'être asservi par ces mondes. Ou on peut décider de faire de notre corps énergétique un château fort et inébranlable, avec à l'intérieur un univers magique, un univers spécial. La solitude n'existe pas parce que nous sommes interconnectés les uns aux autres. On peut même communiquer avec différentes formes de conscience, les plus riches, les plus étranges. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est les laisser rentrer dans ce château. Une fois que la décision est prise, c'est comme une loi qui s'impose sur tout mon corps énergétique. Voilà ma loi, ma règle. Mmh. Elle doit se créer cette loi et s'y tenir. Okay. Oui, mais pour l'enfant aussi. Milena? Ok.
Dis-moi si l'enfant est toujours là. Oui, toujours là, et toi, tu es toujours là, tu n'es jamais parti d'ici. Bien. Pour autant, j'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé. Ok, bien. Est-ce que l'enfant est prête maintenant pour se détacher de maman? Très, parce qu'en fait, ça lui a donné du temps à la petite de faire son processus. Et maintenant, elle est comme, tu sais, comme un ballon qui sort comme ça, mais avec de la joie. Ok. Elle fait comme ça. Oui, elle est bien. Alors, laisse-la partir. Toute contente. Et ça aussi, tu sais, rassuré Sophie énormément. L'enfant ouais, là, est dans non, elle, elle paraît toute seule. Un endroit où elle se sent bien. Mm-hmm. Bien, dis-moi comment est-ce que tu vois, Sophie? Très, très bien maintenant. Toute contente. Bien. Projection dans le futur avec cette condition ésotérique. Il n'y a pas de futur. Elle crée le futur du jour au lendemain. Elle a toute force et tous les outils en elle. Je veux dire qu'il n'y a pas de futur déjà prévu. Elle agit comme elle agissait dans le passé. Oui. Oui. Bien. Pour autant, ma petite personne humaine a besoin de rassurer ce corps physique. Savoir qu'on peut vivre au jour le jour tout en s'assurant une sorte de socle stable. Ah oui, parce qu'elle a retrouvé son courage. Elle a retrouvé sa force et avant tout sa créativité. Et elle a retrouvé ce stade quand elle était cette jeune femme qu'elle savait enfin qu'elle trouvera toujours la solution. C'est ça dans sa nature et c'est ça ce qu'elle a retrouvé. Elle ne craint plus. Est-ce qu'il y a un message qui doit être entendu par son corps physique? Oui. On l'écoute. Elle est prête à, comment on dit, à dire au revoir à sa sœur, de la considérer comme morte au niveau physique. Autre chose? Non, ça l'a soulagée énormément, comme si elle avait coupé les liens avec le passé. Bien. Prête pour rentrer dans le présent? Très. Bien. Alors elle entre dans son espace. Elle crée un espace, un endroit où elle se sente très bien. Non, c'est une personne qui se sent très bien partout parce qu'elle... Elle est capable à s'adapter très facilement. Milena? Oui. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Je dis 3, tu ouvres les yeux. Tu es de retour dans le présent. Oui. Mm-hmm. 1, comme toujours, le 1 marquant une déconnexion complète, totale, déconnectée de tous, déconnectée de tout, Milena. Retour à ton propre corps, tes propres fréquences. Tu élèves toutes tes fréquences à l'émotion de ton choix. Une émotion que tu aimes par-dessus tout sentir dans tout ton corps. Et tu te sens à chaque battement de cœur de mieux en mieux. À 2, tu te réappropries de ton corps physique. Sentant cette coulée d'énergie dans les bras et les mains, les jambes, le dos, le ventre, la tête. Ton corps prêt pour revenir dans le présent. À 3. Oui. Bienvenue. Oui. Bienvenue à moi. Comment est-ce que... Bienvenue à moi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Tu pourrais te dire bienvenue à moi si je ne te souhaitais pas la bienvenue. Tu vois, j'ai des sens de le faire pourtant. Ok. Sophie, je renforce. Tu renforces. Reviens, j'aimerais savoir comment toi tu te sens. Eh bien, c'était... J'ai vu pas mal de choses. Tu parlais du mur blanc, de glace. C'est quelque chose que je voyais souvent, quelque chose de très blanc.
Il faisait comme un qu'un écran blanc en fait. Et je sens dans mon dos quelque chose de parti. C'est quelque chose. Il est très intense en fait en libération. Maintenant, c'est parti pour être. C'est parti ça, le but, pour c'est... être. Oui. Et le rencontrer en totalité aussi, que je vais pouvoir enfin, logiquement, pouvoir aussi me découvrir et pouvoir me connecter de la maman avec Tania, mon enfant, et vivre de belles choses. Je sens vraiment dans mon dos quelque chose de parti. Maintenant, c'est important que tu saches que le corps physique met quelques jours à métaboliser pleinement le travail. Durant ces quelques jours, tu peux te sentir anormalement fatigué, avoir une sorte d'apathie même, une sorte d'enfoncement qui n'est pas dramatique, qui va de pair avec une sorte de rééquilibrage du soi et du soi. D'accord? Profite. D'accord. Oui. D'accord? Merci beaucoup. Sophie, cette session, on la partage, on la garde privée, qu'est-ce qu'on fait? On la partage, si on peut juste me flouter peut-être. Ok, flouter. De toute façon, j'ai du travail de racolage à faire. Puisque... Des racolages, c'est pas le mot approprié. À force de vivre loin de France, tu vois, je commence à me tromper sur les mots. Recollage, c'était bien ça, recollage et pas racolage. Donc de toute manière, oui, je vais organiser le flouter, ok? J'ai trop parlé déjà. Allez, je te garde en ligne une minute, reste là. J'arrête simplement l'enregistrement. Merci à vous. Merci, Mélina. Merci. Au revoir.